Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Merci de partout où vous nous suivez, vous nous regardez sur Congo Live Télévision. Nous sommes les mercredis 8 février 2023. C'est Mathieu en direct avec avec Espoir Mouinouka. Espoir, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à nos compatriotes, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir encore sa souveraineté nationale et internationale. La MONUSCO déplore la mort de 3 manifestants durant l'attaque de son convoi hier, mardi, en début de soirée vers Monigi, renseigne un communiqué de la mission onusienne rendu hier soir. Les casques bleus revenaient d'une mission de ravitaillement à Kiwanja et se rendait à Goma accompagné par les forces armées de la République démocratique du Congo. Je cite, à 2 km de Munigi, ils ont été assaillis par les manifestants qui, auparavant, avaient barricadé la route avec de grosses pierres, obligeant ainsi les convois à s'immobiliser. Dans la foulée, les assaillants ont mis les feux à 4 camions du convoi avant de subtiliser leur cargaison. 3 personnes ont malheureusement perdu la vie durant les échauffourées, tandis que les casques bleus et les FRDC tentaient de protéger les convois. Une enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra de déterminer les circonstances de ces décès regrettables, indique un communiqué rendu public par la MONUSCO. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, compatit avec les familles des disparus, les familles des disparus et présente ses sincères condoléances. Elle réitère et poursuit les documents sont appelés à la population pour faciliter en tout cas la libre circulation du personnel de la MONUSCO qui apporte un soutien opérationnel quotidien au FRDC, assure la protection des civils et facilite en tout cas l'acheminement de l'aide humanitaire aux victimes et aux personnes déplacées par les conflits, on peut lire dans un communiqué. Alors, Espoir, hier et ce matin, on a vu sur place, d'abord, la situation a commencé hier, où on a vu la population, en tout cas, qui a barricadé la route pour... parce que selon les témoignages recueillis ce matin, les manifestants disent qu'ils voulaient contrôler un convoi, les véhicules de la MONUSCO parce qu'ils auraient soupçonné les casques bleus d'avoir transporté les armes et les M23 selon les manifestants. Pour vous, comment vous analysez cela? Mais il faut préciser que lors de ces échauffourées, la MONUSCO quand même a tiré sur les manifestants et malheureusement on a perdu trois personnes selon un communiqué rendu public par les Nations Unies. En fait, comme ça s'est dit chez nous en Swahili, nous disons d'abord pole à nos compatriotes, ceux-là qui ont perdu la vie, et nous disons aussi pole à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Alors, quand il s'agit, ou bien quant au communiqué des Nations Unies, notamment la dame Bintou Keïta, nous autres, nous estimons que la dame a trompé, qu'ils étaient dans leur convoi avec les FRDC, ils revenaient de Kiwanja. C'est faux, archi faux. On peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que les FRDC existent encore à Kiwanja? Non, les FRDC ne sont plus à Kiwanja. Lorsque cette fameuse mission d'observation des Nations Unies disent qu'ils apportent le soutien du jour au jour, c'est que ça veut dire du jour au jour aux FRDC, ce sont des soutiens que nous ne voyons pas, vous voyez. C'est que ce sont des fonds fuyants pour chercher comment justifier
les crimes encore qu'ils ont commis sur le sol congolais. Nous autres, nous considérons ça, ce qu'ils ont fait hier, comme des fusillades. Ils ont fusillé les citoyens lambda et les citoyens qui voulaient prendre sécurité ou bien connaissance de ce que portait la MONUSCO. Quoique les installations des Nations Unies soient inviolables, mais ils ne sont pas inviolables chez nous. Nous sommes le souverain primaire, vous voyez. Et moi, je pense qu'il est, il est des droits de la population de chercher des solutions sur ce qu'ils estiment, ou bien de vouloir comprendre sur ce qu'ils estiment que ça peut être un danger pour eux. Nous avons perdu plus de 5 personnes, c'est pas 3, comme a dit la dame Bintou Keïta, et beaucoup de blessés. S'ils disaient, comme si je peux un peu y revenir, ils ont dit qu'ils étaient avec les FRDC. Maintenant, ils revenaient de Kiwanja. Les FRDC ne sont plus à Kiwanja. De deux, quand la population, ils se sont imposés comme les souverains primaires. Mais il y a des armes neuves qu'on a vues dans leurs véhicules. Et ces armes provenaient dans quel dépôt dont dispose la MONUSCO à Kiwanja? Nous, la MONUSCO n'a plus de dépôt à Kiwanja, vous voyez. Ils étaient, oui, à Kiwanja, mais ils avaient acheminé tout ce qu'ils avaient comme, comme munitions ici à Goma, vous voyez. Alors, mais aussi dire que non, ils revenaient de Kiwanja, ils ont oublié que les personnes qu'ils ont vues au niveau de Kanyarutinya, ce sont des victimes de leur manque de professionnalisme et leur manque de compétences sur terrain. Puisque la MONUSCO qui est une mission qui est venue protéger les citoyens ou bien les civils, une mission qui est venue maintenir la paix. Mais ils ont échoué à maintenir la paix, c'est pourquoi vous voyez que des rébellions gisent d'ici et là, vous voyez. C'est que nous autres, nous croyons l'appel ou bien le demande de la dame Bintou Keïta de demander à la population de dire que la population puisse leur faciliter à vaquer. Je pense que c'est moquer de nous et nous pensons que les autorités devraient tirer conséquences et comprendre que la MONUSCO continue toujours à collaborer avec les ennemis de la République. Mais il faut faire comme on a fait au Mali, on leur a dit de partir. Mais comme nos autorités ne vont pas le faire, nous les citoyens, nous allons le faire. D'accord. Mais qu'est-ce qui doit être fait normalement pour que cette mission onusienne quitte? Parce qu'aujourd'hui, elle est au cœur des controverses, il y a eu des manifestations partout. Au-delà de ça, ce sont les Congolais qui meurent toujours lorsqu'il y a souvent des manifestations contre cette mission onusienne. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Nous avons perdu les nôtres. C'est que ces bilans viennent de s'ajouter encore sur les quarantaines de personnes qu'on avait encore perdues la fois dernière. C'est que nous allons maintenant dans les 48 personnes. Mais en plus, déjà. Les personnes, tu vois, ce sont les déplacés qui ont fui la guerre à Rutshuru et qui se sont... C'est ça leur manque sens d'humanisme, vous voyez. Vous avez vu quelqu'un qui est victime de votre incompétence sur terrain, qui est victime de votre complicité sur terrain. Comme vous avez dit, non, il a échappé à la mort de mes partenaires 1-23, moi je vais l'assassiner maintenant là où il s'est réfugié. Moi, je crois que tous nous devrions prendre conscience. Je ne sais pas si la MONUSCO va tirer sur tous les citoyens congolais vivant dans la ville de Goma et ceux-là qui ont fui. Et j'appelle toujours les gens, nous devons toujours résister. C'est notre patrie. Même si nous allons mourir, mais tous nous n'allons pas finir. Ces gens quitteront un jour le sol congolais. Ils ne quitteront pas avec des bibles à main ou bien avec des prières. Ils quitteront puisque nous allons accepter de verser notre sang. Si on n'accepte pas de mourir pour la patrie, nous allons mourir. Pourquoi? Vous voyez, c'est la patrie que nous devons défendre et nous devons accepter que notre sang puisse couler, que nous puissions verser notre sang. Ces gens, comme je l'ai dit, les bilans continuent toujours à s'alourdir. Vous voyez, la fois dernière, on avait perdu une quarantaine de personnes et aujourd'hui, c'est 5 personnes et il y a d'autres qui vont encore succomber de leurs blessures peut-être. Lorsqu'il cette dame à 12 bagues dit, la dame de 12 bagues, la dame Bintou Keïta. C'est une autorité. Autorité de qui? Elle est la représentante du secrétaire général. C'est une sanguinaire. C'est une sanguinaire. S'il vous plaît, vous savez, la MONUSCO fait partie des complices qui ruinent les Congos. Vous voyez? Ce sont nos partenaires. Nos partenaires en quoi? En assassinant nos compatriotes, nos partenaires en tirant sur des civils. Et or, ils nous disent qu'ils sont venus protéger les civils. Mais, ils sont partenaires. Mais la MONUSCO, elle se rappelle du gouvernement congolais. Mais quel genre de gouvernement aussi? Ça, vous devez aussi savoir. Quel genre de gouvernement? Mais c'est un partenaire. Un gouvernement composé par quel genre de personnes? C'est ça le problème. C'est ça le sérieux problème. La MONUSCO, c'est un partenaire. Partenaire en quoi? En tirant sur les civils.
en tirant sur les civils. Mais elle a une mission de protéger les civils. Mais voilà, voilà maintenant comment est-ce qu'il protège, il protège les civils, vous voyez. Et puis, il y a des foutrons qui vont venir nous dire mission des Nations Unies, je ne sais pas, communauté internationale sont venus pour la stabilité. Stabiliser en tirant sur nous, c'est ça stabiliser. Vous avez choisi de tirer sur les 1-23, mais vous êtes venus tirer sur les civils qui sont dans des cas de déplacés. Et ça, c'est ça nous protéger. Ce que vous avez dit, non, comme nos partenaires 1-23, ils n'ont pas pu exterminer le nombre qu'on voulait qu'ils puissent exterminer, ils vont venir maintenant tirer sur les civils dans des cas de déplacés. Donc ils se et sont puis, défendus, et les, puis, les puis, manifestants et puis, étaient violents peut-être. Non, même si les manifestants étaient violents, mais ils se retiraient, ils pouvaient leur coûter quoi? Et s'ils savaient qu'ils ne portaient pas de mauvaises choses? Pourquoi tirer sur les gens pour les terrifier? Puisque quand on tue quelqu'un devant vous, c'est vouloir te terrifier, que vous ayez peur de ne plus s'approcher de leur véhicule. Mais nous disons quand même courage aux jeunes qui ont accepté de braver la peur et accepté de donner leur vie. Bon. Tout simplement pour montrer à la face du monde ce que portait la MONUSCO 1-23. Puisque nous disons aujourd'hui que la MONUSCO fait partie des 1-23. La MONUSCO, l'EAC, 1-23 sont nos ennemis. Et nous devons les traquer comme des citoyens. Espoir. C'est vous qui les dites. Alors, parlons aussi de ce sujet. Retour au calme, c'est mercredi. Après 2 jours de manifestations violentes contre la force régionale de l'EAC, boutiques, magasins et plusieurs maisons de commerce ont réouvert. Il faut préciser en tout cas la circulation également fluide sur tous les axes de la ville de Goma. En tout cas, il y a une reprise des activités. Après 2 jours de manifestations, espoir. Parce qu'il faut préciser que les jeunes, les gens protestaient contre le départ de la force régionale. Auparavant, disons, avant, c'était une journée, des journées villes mortes, mais qui se sont transformées à des manifestations de colère. Alors, vous avez levé votre manifestation, comme l'EAC, toujours comme là. Nous l'avions dit hier, oui, l'EAC, c'est toujours là. Mm-hmm. En fait, vous savez, nous sommes dans une ville avec beaucoup de réalités. Mm-hmm. Mais moi, je crois que nous avions levé, mais nous n'avions pas laissé, vous voyez. Mm-hmm. Nous nous sommes dit d'abord, on laisse aussi passage à l'armée, à la police, mm-hmm. de se concentrer sur les champs de bataille, puisqu'on a compris comment est-ce que l'ennemi... chercher à progresser, mm-hmm. mais nous on s'est dit ouvrons d'abord le chemin pour l'armée, que l'armée puisse passer. Mais attendez, nous ne faisons que des prémices, nous n'avons pas encore commencé des actions de grande envergure, vous voyez. Mm-hmm. C'est que nous sommes dans ce combat, et c'est un combat populaire comme je l'ai toujours dit. Vous voyez, il n'y a que quelques militants, quelques mouvements citoyens qui avions déclenché la situation, mm-hmm. mais vous avez vu comment est-ce que la population s'en est appropriée. Mm-hmm. C'est que nous allons vers la réussite d'une guerre populaire dont tout citoyen congolais va se sentir concerné de ce qui se passe dans son pays. Mmh. C'est que nous appelons nos compatriotes d'observer d'abord la calmie. Nous sommes en train de réfléchir sur d'autres stratégies que nous allons mettre en place pour voir est-ce que comment est-ce que nous allons continuer avec nos activités jusqu'à ce que soit l'EAC partira du Congo. D'accord. Alors, parlons, le président Tshisekedi en Afrique du Sud, vous avez suivi ce message, M. Moïno, quand je reviens sur quelques mots, il a dit en tout cas, je cite, lors de son discours, il faut préciser à la conférence minière, le président Tshisekedi a encore dénoncé l'agression rwandaise à la République démocratique du Congo via le M23. Je cite, c'est à cause de cela que les peuples ne profitent pas encore de l'abondance de ces richesse. Non, il a raison. C'est à cause de l'agression et la convoitise de nos voisins que nous ne parvenons même pas à bénéficier de nos richesses. Mm-hmm. Mais aussi, il y a aussi notre responsabilité. Vous voyez, il y a la responsabilité du gouvernement congolais aussi qui ne faisait pas aussi bien son travail. Mm-hmm. Parce que moi, comme je l'ai dit, Tshisekedi est victime d'un système. Et quand il a été installé à son pouvoir d'une manière officielle, il n'avait pas aussi tenu compte de ce système. Mmh. Il pensait qu'il y a des personnes avec la bonne foi, ils peuvent changer. Il avait oublié que nous avions des démons sans tête, et c'est avec ces démons sans tête qu'il a accepté de diriger, vous voyez. Mmh. C'est qu'en dépit des dénonciations, mais nous devons aussi agir comme un gouvernement sérieux. Mmh. Et comme une population souveraine, nous devons prendre aussi nos mesures et prendre des stratégies qui peuvent nous aider aussi à
profiter de nos ressources naturelles. Mmh. Attendez, lorsque vous avez... Puisque ce qui se passe, moi je parle surtout de la zone de Rubaya, Masisi, Walikale. À Walikale, c'est parmi les dépotoirs, si on peut dire même ainsi, des minerais, surtout les coltans. Du Nord Kivu. Oui, du Nord Kivu. C'est que Walikale et Masisi. Mais à Masisi, il y a une société de M. Mwangachuchu, qu'on appelle SMB, qui avait signé les accords avec cette société. C'est le gouvernement congolais, vous voyez. Qui avait mais signé. Mwangachuchu, c'est un Congolais quand même. Bon, je ne refuse pas. Je ne refuse pas, vous voyez. Quoique ici des rébellions, mais je ne refuse pas. Mais qui oublie? Qui oublie? Mais c'est un Congolais. Je ne refuse pas. Un sénateur congolais, effectivement, aujourd'hui un député. Effectivement. Alors? Mais il est ici d'une rébellion. Vous voyez, c'est que. Je mais le Congolais. Je ne refuse pas. Mais il est ici d'une rébellion du Rwanda. Quand on parle de la rébellion du Rwanda, mais qui peut refuser? L'RCD était une rébellion d'où? Ah, espoir. Et il a été... Mwangachuchu, c'est un élite du peuple. Je ne refuse pas. Mais comment est-ce qu'il avait acquis ces documents? Il a été élite. Je ne refuse. Moi, je parle... En plus, je... sénateur. Moi, ça... je ne parle pas de son électorat. Je ne parle pas de son statut, de sa nationalité. Parce que nous avons beaucoup des autorités qui ont des doubles nationalités, belges, françaises, rwandaises, burundais, tout ça. Il y en a assez. Mais oui, il y en a. Comme qui? Mais lorsqu'on a trouvé Bisselel avec un passeport, on avait donné le passeport comme qui? Vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de réalités. Je ne parle pas de ça. Et je crois qu'il y aurait une mission spéciale pour ça. Mais moi, je parle d'abord de nos ressources naturelles dont nous ne parvenons pas à profiter, vous voyez. Si nous ne profitons pas réellement, il y a ces rébellions. Et des rébellions, vous savez, leur conspiration. La CNDP, vous savez, sa conspiration. Le CNDP, pardon. Vous savez, sa conspiration. C'était une conspiration rwandaise. CNDP, c'était une conspiration rwandaise. F23, une conspiration rwandaise. Vous voyez, c'est que... Mais ce mouvement congolais, c'est l'OE. C'est l'OE. Ah bon? Bon, c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Et vous? Mais nous savons, moi je n'accepte pas. Monsieur, toi. Aucun Congolais peut accepter de prendre les armes pour tuer son compatriote en disant qu'il réclame un droit. Moi je l'ai dit même pour Jean-Pierre Bemba, avec son MLC des aventuriers. Quand vous acceptez d'endeuiller vos compatriotes, tout simplement puisque vous revendiquez un droit, puisque vous voulez tout simplement être un riche, je vous dis, vous êtes maudits. Nous les maudissons. Alors maintenant, si on peut revenir à nos questions de nos ressources naturelles, ce sont les Congolais qui avaient signé les contrats avec la société Alpha Mine à Walikale. Aujourd'hui, le gouvernement congolais ne contrôle plus Walikale. Je vous dis. Qui contrôle maintenant? Mais vous avez vu, c'était dans un papier d'Alain Foucault. Oui. Comment est-ce qu'on a refusé au gouvernement congolais d'atterrir à Walikale? Une société minière qui s'impose face à un gouvernement. Sur un territoire congolais. Oh. Et nos autorités sont à Kinshasa, on les envoie des 100 000, on les envoie des enveloppes, des millions. Ils sont contents et on laisse la population dans la misère totale. Si vous arrivez à Walikale, il n'y a même pas un centre de santé. Mais vous avez vu les élites de Walikale. Nommé Ribens Mikindo, ministre d'État, il a commencé par voler, il a construit des salles de fête dans la ville de Goma, en oubliant que les concitoyens de Walikale ont droit de bénéficier à nos ressources naturelles. À Walikale, on a élu, j'ai vu quand même les élus comme Juvenal Munubo, qui n'est pas n'importe qui, comme Élisée Minembwe, qui n'est pas n'importe qui. Mais allez-y voir leur maison dans la ville, leur building dans la ville, mais demandez-le leur territoire, qui est considéré comme dépotoir de ressources naturelles au Nord Kivu. Allez-y voir comment est-ce que les gens souffrent. Il n'y a même pas une route qui arrive à Walikale. C'est que ce qu'a dit le chef de l'État, puisque si je tarde aussi sur ce qui se passe à Masisi, organiser une émission spéciale sur cette question. Mais je crois que ce qu'a dit le chef de l'État, nous devons nous approprier ce combat. Oui, il y a les agresseurs qui causent qu'à ce que nous ne puissions pas bénéficier, mais aussi il y a une léthargie, c'est que il y a aussi une faiblesse au sein de notre gouvernement et certaines personnes. Imaginez ici chez nous, au Nord Kivu, lorsque vous avez suivi comment est-ce qu'un commissaire provincial a été accusé des complicités des Rwandais
pour leur faire passer d'accord. comme des policiers espoir, dans les massifs, afin de sécuriser d'accord. les minerais, que les minerais puissent pas quitter Rubaya vers le Rwanda sans que les Congolais n'en profitent. On finit par cette question. Certes, ça c'est. Je sais que je comprends que vous avez assez de matière sur ce sujet et on y reviendra prochainement. Mais on finit par également par cette actualité. Voilà. Il faut préciser en tout cas que les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, qui est une instance en tout cas de régulation des médias à la République démocratique du Congo, a ordonné la suspension des chaînes rwandaises émettées à la République démocratique du Congo sur Canal Sat pour une durée de 90 jours. Mais les 90 jours ne suffisent pas, puisque Kigali l'avait déjà fait, vous voyez. Et ils avaient déjà coupé nos chaînes. C'est que nous n'avions pas que réciproquer de ce qu'ils ont fait. Les 90 jours ne suffisent pas, il faut couper une fois pour toutes. Il faut couper. Mais ce sont nos voisins, les Congolais, qui suivent leur chaîne. Il faut couper une fois pour toutes. Mais il y a les Congolais qui suivent leur chaîne. Pourquoi les suivre? Il y a de l'information. Quel genre d'information? Dire qu'il y en a 23 avance, c'est ça les informations qu'ils donnent. Quelle autre information? Ils donnent des informations, vos autorités ne travaillent pas pour vous. C'est qu'ils ne font que changer la morale, essayer de toucher le mental de l'homme congolais. Quel genre d'informations qu'on peut suivre là-bas? Et là où vous n'allez pas comprendre que tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Non. Leurs médias, il n'y a que la gloire de Kagame. Il n'y a pas autre chose que ça. Vous voyez. Or, suivre Kagame aujourd'hui, c'est comme suivre le diable dans son trou. S'il vous plaît. Merci. Vous voyez. Merci, Espoir. On finit par cet entretien. On sait que c'est pas votre numéro. D'accord, mais en fait, avant de chuter, moi je vais. Si nos autorités suivent réellement nos médias, si leurs conseillers, bon, puisque nous savons que les conseillers du chef, la plupart entre eux ne sont rien que des alcooliques. Ah, s'il vous plaît, non, si je le dis, si je le dis, c'est un âme et j'assume mes mots. J'assume mes mots. Les conseillers du chef de l'État devraient être des nationalistes, pas les vendeurs de gisements. Merci. Vous voyez, ça, il reviendra pas sur les vendeurs de gisements. S'il vous plaît, et vous voyez, aujourd'hui, ce qu'il dit, il parcourt le monde d'ici et là pour voir est-ce qu'il peut avoir le soutien. Mais ses conseillers eux-mêmes ne le soutiennent même pas. Nos députés eux-mêmes ne font pas leur travail comme députés. Nos ministres eux-mêmes ne font pas leur travail comme ministres. Comment voulez-vous? C'est comme ça, vous voyez, un petit pays comme la Belgique qui crache sur le Congo. Et les gens sont fiers de ça. Vous voyez, je vois les gens partager ce que disent les Belges sur le Congo. Et ils sont fiers de ça. Ils ont dit, et ils oublient que c'est la visite du pape. Oui. Et les gens sont fiers de ça. Ils oublient que nous n'avons pas autre héritage que le Congo. C'est sûr que nous avons des autorités, quelquefois, qui montrent leur faiblesse. Mais nous, comme des souverains primaires, on devrait imposer notre mode dont nous voulons que notre politique soit. Merci beaucoup pour les messages. Les élections 2023, il faut qu'on mette à l'extérieur ces foutrons députés qui ne savent pas leur mission. Et je crois qu'il y aura peut-être remaniement, mais cette fois-ci, qu'on ne puisse plus nommer les personnes qui vont venir uniquement pour s'enrichir. Ça sera pour Warrior Day. Merci beaucoup. Les Warrior Day. Et les Warriors qui étaient là, ils ont fait quoi? Et ils pensent que nous allons dire demain, c'est ce qu'il dit, c'est le qui a échoué. Tout le monde a échoué. Merci. Alors, on y reviendra prochainement. Pour ce qu'a dit le chef, en fait, moi, je. Oui, puisque l'État filme. S'il vous plaît. Nous devrions. C'est honteux, c'est ridicule que nous ayons tout ce que nous avons comme ressources, mais ceux-là qui ont l'argent, c'est tout simplement nos députés. Ceux-là qui ont l'argent, ce sont des généraux. Ceux-là qui ont l'argent, ce sont des colonels. Ceux-là qui ont l'argent, ce sont des commerçants affairistes. Merci beaucoup. Des ministres, des tourneurs. S'il vous plaît. Point barre. On y reviendra prochainement. Aujourd'hui, on a vu même, excusez, juste deux minutes, on a vu le gouverneur militaire. Un instant, vous allez parler. Est-ce qu'on peut vous donner de l'eau, s'il vous plaît? Non, c'est pas de l'eau, c'est révoltant. C'est révoltant. D'accord, on fait ceci. C'est révoltant. Nous avons largement dépassé nos minutes. On va revenir sur ce sujet demain. Alors, vous donnez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Nous sommes sur le +243 9 92 66 42 08. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir regardés. Prochain rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Restez et abonnez-vous sur Congo Live pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, nous vous disons bye bye. Merci Espoir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Ouais. Merci.